Mon cher Abénou, mon cher Abénou, Alav Shalom, il raconte au Ham Israël à quel point c'était dur de les gérer. Et dans le premier chapitre de Devarim, verset 12, il a dit, quand je suis sorti d'Égypte, je me suis retrouvé tout seul. Vous grinchez, vous plaignez. Et vous venez vous disputer tous les jours. Echa et Salevadi, Torahem, Umasaahem, Verivechem. Rachid dit Masaahem, Melamed Chayou Epikorsim. Epikorsut. C'est quoi Epikores? Comme Épicure. Ils ne veulent pas avoir le joug de la Emouna sur les épaules. Et qu'est-ce qu'on argumente? Comment un homme juif, il exprime sa kfira, vous savez comment? Il dit pas, il n'y a pas Hachem. Il dit pourquoi Hachem a fait? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait? Toute sa vie, c'est que des questions. Eh bien, si lui s'est permis de ne pas être avec moi jusqu'au bout, eh bien, moi aussi. Moi aussi, non. C'est de la épicorsout. Qu'est-ce qu'on fait contre les questions? On ne répond pas des réponses. On fait des actions qui vont nous forcer à arriver à la Emouna. On voyage, il tzadik. On va pour écouter la Torah. On va maintenant décider de faire un travail pour renforcer la Emouna chez nous. Il est écrit dans Midrash que quand il voyait que Moshe Rabbeinu, il sortait tôt le matin, il était avant tout le monde dans l'endroit où il enseignait la Torah, il disait « Ah, il est sorti de bonne heure parce que sa femme à la maison, il fait des histoires, donc il ne peut pas rester à la maison. » Quand il tardait un tout petit peu, il disait « Ah, il s'est attardé parce qu'il est en train de penser et de faire des idées comment nous dominer. » C'est-à-dire que le leader du Ham Israël, il n'a pas un moment de tranquillité, un moment de sérénité, un moment de complaisité, un moment où on dit « il est pour nous ». Celui qui travaille avec le public, c'est ce genre de discussion, c'est ce genre de parole, c'est que de la critique. La critique, c'est de la épicorsout. Nous, on pense qu'un homme épicorès, chez le juif, épicorès, c'est très dur de dire épicorès. Quand tu dis épicorès, c'est un homme non-croyant, un homme qui renie Hachem, c'est presque ce qu'on veut dire, qu'on appelle aujourd'hui un athée. Mais un épicorès, Rachid nous dit, c'est un homme plein de critiques. Critique sur les sages de la Torah, dans la Avodat Hachem, dans le Emet d'Hachem. Il a toute la journée des questions. Ça, c'est Apikorsout. Spécifiquement dans la Torah? Dans la Torah, dans la Emouna. Mais vous savez, c'est Apikores. C'est pas un homme qui fait une grande action et qui jette la Torah par terre. Non. C'est des petites reprises, des petites questions, des petites critiques, des petites piques. Tous les jours, des petites piques. Même dans le Shalom Bayit, vous savez, dans le couple. C'est pas le casser un shalom bayit, c'est pas le jour où la personne a perdu le contrôle sur soi et il a fait quelque chose, il a hurlé. Non, celui-là, il a de la chance pour revenir. Il reviendra. C'est les petites piques de tous les jours qui cassent le couple. La petite critique. C'est pourquoi comme ça? Mais pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça, c'est de la épicorsout. Quand quelqu'un, il vient avec un sens critique, il cherche le pourquoi dans chaque chose. Mais pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi ça n'a pas manqué? Et pourquoi tu n'as pas fait? Ça, c'est un homme qui vit dans le malheur. Ça, c'est de la épicorsout, Rachid. Tous les jours, c'était une petite chose. Ils ont vu, moi j'ai dit, ah, il a fait ceci aujourd'hui. Ils regardent, ils rigolent. Ah, il a fait ceci. Ça, c'est vivre une vie de épicorsout. Être ailleurs, ne pas être avec Hachem.
Une avodat Hashem, elle tient quand il y a de l'amour. Elle tient quand tu investis. Elle tient quand tu arrêtes de poser des questions et de dire à chaque chose, tu as un mot à dire. Chaque mot que tu dis, il rentre dans le poids que tu as sur ton dos. Et après, ça fait baisser l'or. Après, ça casse l'air. C'est pour ça que Rashi, sur le mot Masahem, il a dit Épicorce. Il n'a pas dit ça sur le mot Rivrem. Une mériva, une dispute, ça peut arriver. C'est admis. C'est normal. Ça peut arriver. Dans une statistique, ça peut arriver. Mais les petits mots, le Masahem, c'est le plus dur. C'est de la Épicorce. Combien un homme a besoin de s'éloigner de ces petites critiques de tous les jours. C'est ça ce qui détruit l'homme. Quand il a un mot à dire à propos de chaque chose. Quand il a un avis à propos de chaque chose qu'il voit. Et souvent, ça va dans le sens critique. Quand il voit, il prend des mauvaises lunettes pour voir l'action de l'autre. Ça, ça tue et ça détruit l'homme. Ça, ça devient un homme que ce n'est pas agréable de vivre à côté de lui. Le épicorès, Hachem, il ne l'aime pas. C'est pas agréable de vivre avec lui. Il y a un juif, un fauteur. Il a craqué, il a fait une erreur. Une fois, il fait sa tchouva, il a pris sa petite claque, il s'est calmé tout de suite, il s'est remis dans le bon chemin. Tout le temps, c'est agréable. Cette fille-là, elle est bien. Son Shabbat, il est bon. Sa avodat Hachem, elle est bonne. Sa tzedaka, elle est bonne. Sa gentillesse, elle est bonne. Mais il y a un homme, avec tout ce qu'il fait, il a un mot à dire. Il pique. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est la picorsoute. Et ça, il faut déraciner de nous. Les Juifs de France sont exceptionnels. Mais on a chez nous, il y a un caractère français qui a un sens critique. Des fois, les gens, même, ils aiment bien ça. Il a un mot à dire. Un peu de philosophie. Une question dans chaque chose, une idée. Et là, ça ramène au Lashon Hara et à la critique dans son couple et avec ses enfants. Mais c'est un malheur pour un enfant qui grandit chez des parents où du matin qui s'est levé, il a ouvert ses yeux, il a lavé son visage le matin, il a commencé à marcher dans la maison. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Jusqu'au soir, s'il prend une application pour compter toutes les fois qu'on lui a dit pourquoi, 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 il va se retrouver à la fin de la journée avec des 50 ou des 60 pourquoi. C'est invivable. Et après, les parents se plaignent. Pourquoi l'enfant à 17 ans, il a pété un câble? Qu'est-ce que tu veux que vous faire de lui, de cet enfant? Cet enfant, depuis l'âge de 6 ans, où il marche, tu lui dis, ne fais pas ça, hein. Pourquoi j'ai fait ça? Baisse la musique, t'as pas compris. Ça quand tu sors de la porte. 50 fois par jour, il entend ça. Il en peut plus. Il faut descendre de ça. Parce que quand quelqu'un il a ça, c'est même avec Akadosh Baruch. Des fois, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Un kofer, un homme qui renie Hachem, c'est pas forcément parce qu'il a eu des grosses questions contre Hachem. C'est parce qu'il n'a pas géré son caractère de critique. Alors, il critique doucement, doucement. Sans se rendre compte, ça l'influence à lui. Beaucoup de fois, on s'imagine que la relation entre nous et Hachem, elle dépend d'un événement. Non. Elle dépend surtout d'un caractère humain, géré ou pas géré. Un homme impatient, critiqueur, il arrivera facilement à la kfira. Et ça, c'est notre travail de tous les jours. Ça, c'est notre avodat Hashem. De redonner du sens dans l'avodat Hashem. De travailler. D'être un éveil d'Hashem. De prendre le poids qu'on a sur le dos de ces critiques qui nous pèsent d'ours et de le jeter.
de le jeter en allant chez le tzaddik, en faisant un geste de hitbatlout, de s'annuler, ne pas voir les choses à ma manière. Ça, c'est un secret pour la Avodat Hashem et pour la vie de l'homme. Baruch Adonai de l'âme. Amen.